Bonjour, du coup je fais l'intro directement au jeu. De retour sur Captain Sparrow, du coup c'est l'épisode 3. La dernière fois du coup on avait trouvé la caisse secrète, on avait fait le trésor secret, on avait trouvé la cape et c'est à peu près tout ce qu'on avait fait dans cet épisode très très long. Le dernier épisode était super long. Du coup je vais essayer d'en faire peut-être un peu plus court en accélérant beaucoup plus. Tag. Regardez, il y a un tag ici. Ah oui. Like people don't drink in bars around here. Why no? Ah. Why no, j'ai pas du tout la traduction. Ça me fait penser à wine, le vin. Ça doit avoir un rapport avec leur père qui boit, son père qui boit. Du coup, j'ai vu qu'il y avait une quête avec Chamaneige. Ça. Est-ce que du coup j'ai le seul à pouvoir l'en empêcher? On pouvait faire? C'est nos traces hein? Ouais. Ah ouais, c'est nos traces. Now the snowmancer is ready for battle. J'ai perdu un œil, mais il est ready. Je pense qu'il nous faut encore une fois le costume entier hein, pour pouvoir faire quoi que ce soit. Et du coup, dans notre inventaire, on a les clés de la voiture. Est-ce que du coup, il y a quelque chose? Maintenant qu'on a la cape, je me dis que peut-être. On a plus avancé dans. En soi, on n'a pas terminé la quête, mais on a beaucoup plus avancé en quelques minutes. I can't go to Mantroid's planet without finishing my costume. Et on peut examiner au moins. I hope Dad doesn't get in trouble because of me. Monsieur le docteur Tamra Folman, des services sociaux de Beaver Creek, en tant que représentant du secteur scolaire élémentaire du comté, je sollicite votre présence ainsi que celle de votre fils, Chris Eriksen, à une réunion qui se tiendra lundi après-midi à 14h15, dans nos bureaux à blablabla. Notre bureau se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. T'as les clés de la voiture? Non, elles servent pas qu'à ça, je pense. Ah, des super actions. Oui, mais vous voulez pas que je la fasse. I can't go to Mantroid's planet without finishing my costume. Voilà, j'ai terminé, excuse-moi. Du coup, bon, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Le trou, on l'a vu. Maintenant qu'on a la cape, peut-être qu'on peut faire... Non, je pense qu'il faut qu'on revienne dans la chambre au père pour voir si on n'a pas les codes du cadenas et de son téléphone. Et là pour l'instant c'est le seul endroit où on pourra trouver des trucs à faire. Assez long. Le père d'or. À faire. Sur eux pour entrer à chaque fois passer. Wow, Dad had fans when that, so we moved because Dad got fired. That's when he started working for the railroad. La naissance de son fils. Oh purée, c'était dans la. Voilà, date d'anniversaire de son fils. Ah, 09/10/2013. Et le 9 octobre, presque comme moi. 9 octobre 2000. Non, il est pas né en 2013. Non, il est né en. Il est en le 9 octobre. En 2013, il a eu 7 ans. Du coup, ça veut dire qu'il est né. En 2000.
6. Je dis pas de conneries. I need a pin code. What is it? Où elle trouvait ce code? I'm sure I can beat my high score on Mustard Party 2. Alors là, pour tout. Absolument pas où aller. Dad loves his stat notebooks. I don't think Dad reads these. I think he just takes them from work. Neptune, Ben. D'endroit où je pourrais trouver ce code. Maybe someday we'll move into a real castle. Like real Vikings. Ah, je peux quand même le faire. Là, c'est pour les bouillantos. Waouh, sa mère, c'est super son. Ferme quand même derrière lui. Contrôle rien. I think I'm not alone. Là, je contrôle. On est dans son imagination, je pense. You have the power, Captain Spirit. You have the power. Oh oh, on change de suite d'ambiance là. Vas-y. Puis on tourne. Dompté. Ok, d'accord, il faut que je clique en boucle là. Que j'ai contrôlé les bouillantos. Oui, apparemment. Yes. Well, that wasn't too hard. Okay, nice. I've tamed the water beast. Ouais, il faut jouer au portal. Hein. Dans les environs, ouais, mais ouais. J'essaie de faire des actions, voir si ça. Hein. De faire des trucs pour voir si ça débloque des choses. Rien de particulier, enfin, je ne crois pas. Peut-être dans le numéro Chris, de téléphone. These are the most important numbers for you on this list. 6372. Cool story, Dad.
peut-être. I've never seen a beaver around here. La ville la plus barrée d'Amérique. Un barrage. Ajouter de la glace, bien Let's évidemment. See. What do we need? Ice cream. Regardez. Oh, vomit. Jeter. On peut faire quand même. Oh, un super jet. On peut pas le jeter, on va le super jeter. Zap! The awful green things are flushed into space. Boire du lait. Hop, boire. Boire du lait. Est-ce que ça va me débloquer quelque chose? Je sais pas. I feel the power. Ça ne nous aura rien débloqué. Et appeler quelqu'un. Basket. If I could go back in time, he looks so different in his basketball outfit. Dad never smiles like that anymore. 2005. Ouais, ça doit être ça, peut-être l'année où il a été champion. Où il a été champion un an avant. Anniversaire de son fils. Je pense que c'est la date d'anniversaire de son fils. Non, c'est peut-être pas sa date d'anniversaire. Peut-être en... C'est peut-être pas ça. C'est peut-être la taille qu'il faisait à cette date-là. Ah, ah il avait 11 mois en 2000. Ouais, mais en 2008. Et mais... Du coup, il doit être né en... Possiblement en 2007. I'm sure I can beat my high score on Mystery Party 2. Hey. Je croyais pas, mais putain, quand même. There's my. I can't see Dad selling homes. Whoa, is he getting us tickets again? Best dad ever. That would be a blast being a freight hopper. Choo choo. Oh, those are Dad's pages. Le site de son père, en fait. L'épisode est pas trop long pour l'instant, à chaque fois j'ai peur parce que c'est j'ai pas l'impression d'avancer énormément en fait. DVD, bande dessinée. I miss playing ball with my friends before we moved. Okay. I've read this one so many times. Ethan et Ellie. I miss Hal. He feels like he's so far away, even though he lives on the other side of town. Merci de m'avoir laissé dire ça à moi de te donner un livre à lire. Ton ami Hal. Captain Spirit doesn't need weapons. But just
in case. Ça débloque quelque chose. You can't win this battle, Noctarius. It's already over, Power Bear. Don't let Mantroid control you. Nobody controls me. Mantroid is my leader, and he wants you to die. Give up now. We don't have to fight. You're not the boss of me, Power Bear. You have amazing powers. Why don't you join our team? Join Captain Spirit? Are you serious? He's my enemy! Only because Mantroid brainwashed you. You can help the world with us. Liar! Where were you and Captain Spirit when Mantroid saved my life? Huh? Good guy? Allez, on va lui dire désolé. I'm sorry, Noctarius. I want to be there for everybody. You're the enemy. Now take this. Pas la bonne chose à dire, apparemment. Oh, my back. How did you do this? I can't move. Captain Spirit. Please, come to my aid. I can't defeat Noctarius on my own. I can't! Captain Spirit! Oh la chier. C'est quoi ça? Action super-héros, donc on l'a fait, non? Allez, c'est action super-héros, on l'a fait. Hello, Power Bear. I'm here to finally destroy Noctarius. You never fail us, Captain Spirit. No, you can't do that to me. I'm just a puppet! Then let's cut your strings! No! Don't! I give up! Mantroid! Help me, Master! You can't kill me! You said you don't kill people! Good job, but we still have to deal with Mantroid. With Captain Spirit in charge, our team is going to win every battle! C'est bon. Watch out, supervillains. Today I make my own superhero costume. Vêtements. Je sais pas où les trouver. I can't wait to go back inside the Flying Fortress. Et j'ai trouvé le trophée, mais c'est tout. J'ai trouvé le coffre. Ouais, mais. No superhero should wear those. But they're so comfy. Tout c'est que je sais absolument pas où chercher quoi. J'ai beau aller, enfin je pense, c'est dans toutes les pièces. Il était particulièrement dans la cuisine, mais je pense pas trop. We never use this door in winter because of the snow. Cette mission là. Ah, y a rien de particulier. Je pense qu'il faut débloquer, y a les trucs. Hein. Dans les affaires de la mère, voir si on n'a pas eu de date ou un truc en particulier par rapport à la naissance de Chris. Chris, je crois que c'est son nom. Je crois que c'est Chris.
This is where Mom went to school before we came here. Mom didn't go to art school because of me, but she was already an amazing artist. Oh, wow. Six. I remember when Mom drew that, and Dad couldn't stop laughing. I don't get this one. I'm too young. Il comprend pas ceci. Ah, ok, je l'ai. C'est drôle. If Dad used the padlock, he wants to keep me out. Oh merde, je me suis... Dad used the padlock, he wants to keep me out. Hop, déverrouillé. Donc, hop. Yes. Yes. 2005, d'ailleurs, ouais, pourquoi... Ah, parce que c'est son année de champion. Regardez, c'est quoi, thanks des pétards. Thanks for storing my explosives, chief. On va les... Regardez, on va les prendre, je pense pas que c'est une bonne idée. Une femme tuée lors d'un délit de fuite. La police recherche des témoins éventuels d'un délit de fuite mortel qui s'est produit à 19h15 dans la soirée de mardi, du mardi 16 décembre 2014 à l'intersection de Mantle Street et d'Asteroid Drive. La victime, Amy Erickson, 28 ans, résident au Beaver Creek en Oregon. Donc on est dans la même, le même état que, bah, que Arcadia Bay. Était apparemment en train de s'éloigner de sa voiture, tombée en panne lorsqu'un véhicule non identifié l'a percutée de plein fouet. Elle laissait derrière elle un mari et un fils qui n'étaient pas présents lors du drame. Le capitaine Anderson a déclaré que les caméras du péage pourraient fournir des indices importants. Nous traitons cette tragédie comme un homicide par imprudence. Si vous ne possédez des informations sur cet incident, veuillez appeler la ligne directe anonyme de la police de Beaver Creek. I know Dad spent a lot of money on the funeral. Oh. Amy Erickson, femme, mère et fille bien-aimée, a quitté ce monde bien trop tôt, le 16 décembre 2014, à l'âge de 28 ans, à Beaver Creek, en Oregon. Emily est née à Eugene, 1986, faudrait que j'y pense, fille de Pete. Artiste passionnée depuis l'école maternelle, elle a figuré parmi les premiers de sa promotion au lycée d'Eugene, décrochant au passage le premier prix de divers concours d'art locaux, ainsi qu'une bourse d'études très convoitée par les prestigieuses académies Blackwell d'Arcadia Bay en Oregon. Après avoir terminé ses études, elle s'est retournée à Eugene, où elle a épousé son fiancé Charles Erickson le 1er mai 2006. Peut-être, mais 2006, j'ai peut-être déjà essayé. En 2007, Emily et Charles ont déménagé à Beaver Creek en Oregon, où elle a entrepris plus tard une enrichissante carrière d'enseignante à l'école maternelle, inspirant les jeunes enfants à cultiver leurs talents artistiques. Emily et Charles ont également le bonheur d'accueillir leur merveilleux fils Chris le 8 février 2007. Donc 0802. Les notes. Je vais les noter sur mon portable. Et mettre là. À 1980. À 2006 et 2007, mais 2007 je crois que je l'ai déjà essayé, mais ça coûte rien. 0802 qui peuvent être utilisables. Elle est alors, Emily a connu une certaine notoriété grâce à ses bandes dessinées en ligne racontant sa vie de famille avec honnêteté et humour. Elle a laissé derrière elle son mari Charles, leur fils Chris et ses parents Peter et Kristen. Les obsèques se tiendront le 20 décembre à midi au cimetière Willow Hill de Gênes et seront suivis d'une réception. Les amis et la famille de la défunte sont invités à venir lui rendre un dernier hommage. Le 22. Si je doute quand même qu'il est mis. Peut-être j'avais vu 2014. Peut-être que c'est l'année de. Et peut-être 16. 12. Il y a des codes à essayer. Je doute que ce soit ça, mais bon, pourquoi pas. Grandma and Grandpa were so nice. I wish we saw them more.
Merci pour ta cher Charles, merci pour ta gentille lettre et pour les fleurs pour l'anniversaire de Kristen. Cela nous touche particulièrement en venant de toi. Oh l'anniversaire, putain, l'anniversaire de Kristen. Ah mais oui, mais c'est la mère de la mère à Chris. Vous nous manquez tous les deux et nous aimerions voir comment Chris a grandi. Émilie nous manque toujours, chaque jour, à chaque heure, chaque minute, tout comme à vous deux. Et nous savons que la douleur est une partie intégrante de votre vie. Alors n'oubliez pas que nous pensons souvent à vous. Nous serons toujours là pour vous, comme vous l'avez été pour nous, toujours. Comme vous l'avez été pour nous, toujours. Pensez à nous, à nous donner de vos nouvelles en essayant de nous voir bientôt. Vous êtes notre famille et nous vous gardons toujours dans notre cœur et nos prières. Avec toute notre affection, Peter. Les éléments Now pas I'm ready complètement. To rock. Sorry, Dad. On sait jamais, ça peut servir. Bon, je laisse ça ouvert de toute manière. This is where Mom went to school. Oh, oui. I don't get this one. I'm too young. Non, c'est là. Mom and Dad always talked about how they met at school. It was weird having my mom as my kindergarten teacher, but fun. My first picture looks so tiny and weird. Maybe I'm an alien baby. Bon, on va aller essayer tout ça. Je vous retrouve dès qu'on est au portable pour tester tous ces codes. Ok. Bon. C'est tout simple. Ah mais je suis con, je l'ai. Peut-être 2007. Après, je me dis qu'un code PIN est à 4 chiffres, mais bon, je suis pas sûr de ça. Oh, putain. Et la dernière. Toujours pas le code PIN de ce portable. Je chercherai un peu comment on est censé savoir tout ça parce que ça m'embête de pas avancer quoi. Boring. Je pense que j'essaierai d'aller chercher un petit peu pour. Je pense que je chercherai en off, voir si je trouve quelque chose par rapport au moins au portable. I can't fight Mantroid until my costume is done. Tu peux me donner des indices? Parce que je sais pas où il est ton costume. Bref. Bon, allez, bon, on va s'arrêter là de toute manière. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne sais pas, j'ai vraiment l'impression de tout fouiller comme il faut. Mais je sais pas. Je trouve rien. Je trouve un jeu par rapport à son costume. Là, on a réussi à faire les bouillantos. On a avancé là-dedans, je crois. Parce qu'il y a un nouveau truc qui est coloré. Mais il manque les jouets. Je pense qu'on va s'intéresser vachement aux jouets la prochaine fois. Et les canettes de bière démoniaque, mais je sais pas où elles sont. Pour le code du portable, peut-être qu'il faudra attendre un peu avant de le trouver. Peut-être épisode prochain aussi, je chercherai à réveiller le père. Voir peut-être qu'il faut attendre de récupérer le sapin de Noël pour avancer. Hein. Mais je sais pas, il y a plein de choses qu'il faudrait qu'on fasse. Je sais pas du tout si ça me sera utile de faire tout ça. Mais en tout cas, on essaiera d'avancer comme ça la prochaine fois. En attendant, du coup, je vous souhaite une bonne fin de soirée, parce que je pense que je sortirai ça en soirée. Je vous dis à la prochaine.
pour la suite de Captain Spirit, normalement dans 2 jours, parce qu'on est en let's play. Du coup, ça va me prendre plus de 3 épisodes. C'est pas plus mal, c'est pas plus mal. Parce que c'est un jeu cool, mine de rien. Et du coup, je vous retrouve à la prochaine pour le prochain épisode de Captain Spirit. Salut!